Bonjour, Cédric, du site formation informatique avec Cédric.fr. Alors, qu'allons-nous voir dans cette nouvelle vidéo concernant Windows 10? Eh bien, je vais vous montrer comment nettoyer le bureau. Alors, le bureau, déjà, pour les personnes qui ne savent pas, eh bien, c'est l'endroit où vous arrivez lorsque vous allumez votre ordinateur. Donc ici, comme vous pouvez le voir, là où je bouge ma souris, c'est le bureau. Donc, pour le moment, je n'ai aucune icône puisque j'ai trois écrans et que la plupart des icônes que j'utilise sont rangées sur mon troisième écran, mais je vais tout rapatrier sur celui-ci dans un instant pour vous montrer, eh bien, comment le ranger. Je vais passer sur un fond noir pour ne pas qu'il y ait de perturbation avec le graphisme de l'écran. Je vais rapatrier tous mes icônes sur cet écran également, sur ce bureau, et ensuite, nous pourrons démarrer le nettoyage et je vous expliquerai ce qu'il faut faire et ce qu'il ne vaut mieux pas faire à tout de suite alors voilà à quoi ressemble un de mes bureaux donc sachez qu'il y a un grand nombre d'icônes mais c'est essentiellement parce que eh bien j'en ai besoin pour travailler au quotidien mais je vais vous expliquer eh bien ce que vous devez faire pour ranger votre bureau alors déjà soit vous savez déjà le faire et auquel cas vous n'avez pas besoin de cette vidéo vous pouvez passer à la vidéo suivante ou alors eh bien vous avez un bureau qui est déjà rangé ou alors eh bien vous avez un bureau qui est complètement en bazar un petit peu comme le mien et qu'il va falloir ranger vous avez accumulé les icônes avec le temps et vous ne savez plus trop si vous pouvez les supprimer ou non alors je vais vous montrer eh bien quelques méthodes pour nettoyer votre bureau et ainsi retrouver plus de clarté dans une utilisation quotidienne alors la première chose que vous devez savoir, c'est qu'il y a deux types de documents ou de dossiers qui peuvent se trouver sur votre bureau. Il y a les fichiers originaux, comme celui-ci par exemple, liste vidéo. Et il y a les raccourcis, comme celui-ci, liste des vidéos. Voilà, qui est d'ailleurs euh, au passage le même fichier, un petit peu par hasard. Un en version Excel et l'autre en fichier PDF. Donc là, il s'agit d'un raccourci. On peut le voir avec la flèche en bas à gauche qui se trouve ici et qui vous permet de savoir que c'est un raccourci. Ça veut dire concrètement que si je supprime ça, eh bien je ne vais pas supprimer l'original. Alors que ici, puisqu'il n'y a pas la flèche du raccourci, si je le supprime, eh bien je vais supprimer l'original. donc il faut bien faire attention lorsque vous allez effacer des choses si toutefois vous effacez des choses et je vais vous proposer une méthode si vous avez des doutes. alors on va ranger eh bien tranquillement mon bureau évidemment je ressortirai les choses après puisque mon bureau était mine de rien rangé. Donc la première chose que l'on peut voir ici, c'est que nous avons l'icône de la corbeille. Donc ça, en général, je le mets en bas à droite. Vous pouvez exactement le mettre où vous le souhaitez. Donc dans un premier temps, je vais mettre à gauche ce que je sais qui est utile et à droite ce dont j'ai des doutes. Donc moi ici, je n'ai pas de doute sur ce qui est utile et inutile puisque tout est bien rangé, mais vous, vous allez commencer par faire ça, c'est-à-dire que ce que vous savez utiliser, eh bien, vous le mettez sur la gauche et là où vous avez des doutes, vous le mettez sur la droite. Donc par exemple, dans un premier temps, je vais mettre un certain nombre d'icônes sur la gauche et ensuite, je mettrai un certain nombre d'icônes sur la droite. Voilà, ça c'est pour être sûr, eh bien, tout simplement que vous allez pouvoir faire un premier rangement, un premier tri, qui va consister à mettre des fichiers sur la gauche de votre écran et des fichiers sur la droite de votre écran. Donc je vous rappelle, les fichiers que vous mettez à gauche, ce sont les fichiers, eh bien, que vous, allez, que vous avez l'habitude d'utiliser et les fichiers que vous allez mettre à droite, c'est les fichiers que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser. Donc là, je fais un rangement très sommaire, juste pour que vous compreniez le principe. Donc là, on va considérer que ce sont les choses que j'utilise et là, les choses que je n'utilise pas. Alors, si tous vos icônes se trouvent à droite, c'est que vous n'avez pas forcément de raccourcis sur votre bureau et que soit vous passez directement par les applications pour lancer vos documents ou alors vous allez directement dans votre dossier documents, par exemple, pour accéder à ceci. Moi, c'est vrai que j'en garde certains sur le bureau pour avoir un accès rapide, ceux que j'utilise souvent, ceux de la comptabilité ou encore les demandes à Cédric lorsque c'est le moment. Donc, c'est la raison pour laquelle les choses sont là. Maintenant que vous avez fait ce premier tri de savoir ce que vous utilisez et ce que vous n'utilisez pas, nous allons nous concentrer sur ce que vous n'utilisez pas, évidemment, parce que ce que vous utilisez, vous allez le garder sur le bureau et à ce moment-là, eh bien, vous allez leur trouver un emplacement à ces icônes qui vous paraît cohérent. Donc, moi j'ai un certain rangement qui sera évidemment différent du vôtre. Nous allons donc nous concentrer sur les icônes qui se trouvent ici. Alors, ces icônes, je vais les mettre sur le côté pour ne pas qu'ils nous perturbent. Et ensuite, je veux vous expliquer quelle est ma méthode. Alors, ici, donc, dans, ce, dans, ce, dans ces icônes restants, il y a, comme je vous le disais tout à l'heure, trois types de choses. Il y a les raccourcis, comme par exemple ici Wirecast. Il y a les fichiers originaux, qui n'ont pas la petite flèche en bas à gauche, et il y a des dossiers. Donc, les dossiers, en général, contiennent des choses que vous avez mis à l'intérieur. Donc, si ce n'est pas vous qui avez créé ce dossier, et qu'il y a des choses à l'intérieur, et que vous ne savez pas euh, ce que vous devez en faire, eh bien, dans ce cas-là, vous allez pouvoir avoir la méthodologie suivante. Ce que vous allez faire, c'est effectuer un clic droit sur votre bureau, choisir nouveau, choisir dossier. Dans un premier temps, nous allons le nommer arranger. Donc ce sont des choses que nous connaissons mais qu'il va falloir ranger. Et ensuite, nous allons faire à nouveau la manipulation. Clique droit sur le bureau, nouveau, dossier. Et là, nous allons l'appeler, je ne sais pas. Voilà, comme ça, vous allez vous retrouver avec deux dossiers dans lesquels vous allez pouvoir ranger ces icônes. Que, dont vous n'avez aucune idée dans les différents dossiers. Alors le premier arranger, vous allez ranger les choses, eh bien que euh, vous avez, euh, vous vous dites ah ben ça je ne vais pas le garder sur mon bureau, mais j'ai quand même besoin de le ranger. Donc soit vous le rangez directement au, au bon endroit de votre disque dur. Donc là ici par exemple ces images là, il faudrait que je les range sur un certain endroit de mon disque dur, mais je n'ai pas envie de le faire tout de suite. Donc je vais glisser ces images dans arranger. Donc pour glisser les images et pour glisser les icônes je ne vous l'ai pas tout à fait appris tout à l'heure mais vous cliquez avec votre souris avec le bouton de gauche vous restez appuyé et vous déplacez à l'endroit où vous souhaitez positionner l'icône donc ici par exemple je vais donc déplacer l'ensemble de ces images donc vous avez la possibilité de sélectionner plusieurs choses en faisant un clic en dehors de ces icônes avec votre souris, en restant appuyé, donc là j'ai cliqué avec le bouton gauche de ma souris, je reste appuyé et je vais créer une sorte de boîte qui va me permettre eh bien, de dire que dans cette boîte-là, je veux que ce soit ces icônes qui soient sélectionnées. Donc une fois que j'ai sélectionné mes icônes, je les déplace vers le dossier Arrangé. Donc pareil, je vais faire ici euh, la même chose avec ces images que je vais déplacer dans Arrangé. Ici, ce document qui est là, qui est un document Winrar, on va dire que je ne sais pas. Je ne sais pas qui l'a mis là. Je ne sais pas comment est-ce qu'il est arrivé là. Est-ce que euh, ça fait partie des icônes qui étaient à l'origine lorsque vous avez acheté votre ordinateur, si vous n'avez pas vous-même fait une réinstallation, ou si vous avez acheté un ordinateur portable. Souvent, il y a beaucoup d'icônes, beaucoup de raccourcis qui se trouvent euh, sur votre bureau, et à ce moment-là, vous ne savez peut-être pas d'où ça vient. Dans ce cas-là, eh bien, vous, il vous suffit simplement de le glisser dans "Je ne sais pas". Et une fois que vous avez compris le principe, eh bien, vous allez pouvoir ranger les choses soit dans Arranger, soit dans Je ne sais pas. Ce document-là, je vais le mettre de côté parce qu'il faut absolument que je le conserve. Mais voilà, donc vous continuez. Eh bien, ça, c'est un raccourci, ça, c'est un document original, mais je ne sais pas. Je ne sais pas si je dois les ranger, alors je vais les mettre dans Je ne sais pas. Et ensuite, vous allez pouvoir faire comme ceci avec toutes les choses qui se trouvent sur votre bureau. Et ainsi, eh bien, vous allez petit à petit ranger votre bureau. Certains vont aller dans arranger parce que vous devrez les ranger un peu plus tard et d'autres iront dans je ne sais pas parce que vous ne savez pas encore où les ranger. Et petit à petit, eh bien, votre bureau va se ranger. Au final, vous n'aurez plus que les deux dossiers que vous avez finalement rangés. Vous aurez également les documents que vous aviez mis sur la partie gauche de votre écran que moi j'avais mis de côté pour l'instant voilà que je rapatrie ici et donc vous aurez désormais sur votre bureau uniquement des choses que vous connaissez c'est-à-dire tout ça que vous utilisez et ces deux dossiers là où vous ne savez pas donc quand vous souhaitez ranger votre bureau bah, vous cliquez sur le dossier à ranger et les choses qui se trouvent ici vous pouvez les ranger directement sur votre ordinateur il en va de même pour je ne sais pas. Si à un moment vous vous apercevez que ça prend beaucoup de place, donc dans ce cas là, vous pouvez faire un clic droit et choisir propriété pour connaître le nombre de mégas qui sont utilisés et savoir s'il est nécessaire de ranger ces choses là. Sinon, eh bien, vous pouvez laisser ce dossier je ne sais pas à cet endroit là. Moi, je le mets souvent à côté de la corbeille et à partir de là, eh bien, vous avez un bureau qui sera rangé. Voilà, c'est aussi simple que cela pour ranger son bureau quand on ne sait pas quoi faire avec les icônes. Une dernière précision que je souhaitais apporter, si toutefois vous avez fait une mauvaise manipulation et que vous avez glissé par mégarde quelque chose dans un des deux dossiers, que ce soit je ne sais pas ou ranger, il vous suffit simplement de cliquer deux fois sur celui-ci et de sortir eh bien tout simplement ce que vous avez mis dans Arranger, de le reglisser sur le bureau, et il sortira de ce dossier et reviendra sur le bureau. Voilà, c'était une courte vidéo pour vous expliquer comment ranger votre bureau parce que pendant mes heures de dépannage que j'ai réalisé euh, pendant ces 8 ans où j'étais dépanneur informatique, j'ai vu beaucoup de bureaux de personnes qui étaient encombrés et lorsque je leur posais la question de savoir si elles savaient à quoi correspondaient ces icônes, eh bien la majorité des personnes me disaient que non, qu'elles avaient acheté leur ordinateur et qu'il était déjà comme ça ou que des raccourcis s'étaient créés avec le temps. Et donc eh bien je me suis dit qu'il était important de tourner cette vidéo pour que vous puissiez avoir avoir un bureau qui soit rangé et qui vous permette eh bien de retrouver plus facilement les choses. Ce que vous devez savoir lorsque vous téléchargez des choses ou lorsque des choses arrivent sur votre bureau de façon automatique, c'est qu'elles vont se placer automatiquement en haut à gauche. De la façon suivante, c'est à dire qu'elles se mettent en haut à gauche et elles se rangent les unes sous les autres. Et une fois que la première colonne a été remplie, eh bien, c'est la deuxième colonne qui se remplit. C'est la raison pour laquelle vous pouvez avoir un grand nombre d'icônes sur le bureau et que vous ne savez pas à quoi elles correspondent. Voilà. Donc, si, par exemple, je récupère un fichier sur Internet, et eh bien, automatiquement, il viendra se placer ici. Et ainsi de suite pour tous les autres fichiers et dossiers. Mais désormais que vous aurez soit un dossier à ranger, soit un dossier je ne sais pas, eh bien dès qu'il y aura quelque chose, vous pourrez le ranger dans l'un des deux ou tout simplement le supprimer si vous savez que vous n'en avez pas besoin. Allez, je vais arrêter cette vidéo ici. Merci de l'avoir suivi et comme le veut la tradition, vous la connaissez désormais. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.